Don't let a single one get away. Each need to take down about 10. Stow your fear. It's now or never. We'll win this. I know we will. Bon, et bien ça commence bien. Bonjour à tous les amis, ici Neko de la Sony Community FR et bienvenue dans ce Let's Play spécial Super Smash Bros. Édition spéciale Sonic. Je vais vous expliquer, c'est très simple. L'édition spéciale Sonic, c'est comme vous l'avez vu, Killer a emprisonné les personnages principaux
et en fait des répliques avec des esprits qui prennent possession de ces corps-là. Ce que nous on va faire malheureusement, c'est pas suivre le destin des héros où ils vont tuer le méchant. C'est tout simplement que parmi tous les esprits, on va récupérer que ceux de Sonic. Uniquement de Sonic, enfin uniquement de Sonic bien sûr, il y a des moments comme là, vous voyez que je suis littéralement en train de pouvoir faire ligne droite et je peux pas faire plus. Mais à part ça, notre but c'est de collectionner les esprits Sonic. Et de sauver Sonic avec. Donc là, clairement, je vais vous montrer tout simplement. Au début, ça commence tout à fait classiquement. Je me mets juste en grand écran. Excusez-moi. Grand écran, s'il vous plaît. Voilà, voilà. C'est bon. Du coup. Par exemple, on commence avec le scoufflement. On n'a pas d'esprit pour les coups attaquer quand même, malheureusement. Là, le but c'est vraiment d'avoir un esprit de base qui puisse nous aider. Parce que le truc, c'est dans ce terrain-là, c'est des combats spéciaux. Du coup, ce sera jamais des combats d'égal à égal. Et voilà. Notre premier esprit, le Molosco fumant. Petit monstre de Pikmin, d'ailleurs. Du coup, il montre que c'est un esprit de soutien. Du coup, je pourrais pas m'en servir. Là, c'est les Yoshi. Donc là, c'est parti. Non, je ne peux pas. C'est pas d'esprit. Je peux pas m'en inventer. Coup de marteau. Et voilà. Coup de marteau de nous, comme dirait Spooky. Et nous voici avec Evoli. On va être avec Evoli. Gestion des esprits. Et là, il passe à 2600. C'est bien! Donc, on peut avoir enfin un esprit pour se battre. Et c'est là où va être toute la stratégie de ce défi. Parce que je ne l'ai pas précisé. Mais ça fonctionne comme un Nuzlocke Challenge. Ce qui signifie que si Kirby meurt, c'est game over pour moi. Et c'est la fin du Let's Play. Avec une défaite. Ouais, partez. De toute façon, je suis pas du genre à me laisser abattre. J'ai déjà tenté ce défi il y a longtemps. J'ai déjà tenté ce défi il y a longtemps quand j'avais touché à ce même pour la première fois, sauf que j'avais pas rajouté le spécial personnage de ce défi. Je l'ai perdu malheureusement. Je ne suis pas allé très loin. Mais maintenant que je sais un peu mieux gérer les esprits,
Je sais comment ça fonctionne, les invocations et autres. Ça peut être intéressant. Du coup, là, c'est Mario. Les personnages principaux vont être très importants. Hein, parce que grâce à Mario, par exemple, je pourrais avoir une vie en plus. Je tiens à vous dire par contre que, comme je vous l'ai dit, les combats sont tous les niveaux. Du coup, j'essaie toujours de faire en sorte que ça aille. Excusez-moi, je vais vous montrer. Que ça aille toujours. À mon bien, voilà le voir. En gros, je ferai toujours en sorte d'avoir un avantage. Sinon, je recherche la place. Là, comme vous voyez, je préfère lui lancer le pistolet que l'affronter directement corps à corps. Et Mario rejoint la partie. Le gardien, il est un peu puissant. Evoli, c'est l'heure de manger, mon petit. J'ai besoin que tu deviennes grand et fort. J'essaie de varier un petit peu le personnage. Comme ça, vous voyez. La boîte est à l'ancien. Et là, je suis supérieur au niveau du gardien. Grâce à la puissance d'Evoli, j'avais plus d'attaque que lui, du coup j'ai fini. Et ça va être souvent être comme ça, ça va jamais être des combats genre je te file un coup, t'as moins 20 points de vie et je te file un coup, t'as moins 20 points de vie. C'est vraiment. Je te donne un coup, t'as moins 80, quand tu me donnes un coup, j'ai moins 10. Si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Alors, je le sens. Clairement villageois, je pense pas le faire. Clairement villageois, c'est pas ce qui m'intéresse. Du coup, je vais prendre Chic. Marthe était très bien aussi, mais Chic, on va dire que j'ai un petit avantage. Petit bonus. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que je suis plus habitué à elle. Parce que je l'ai beaucoup joué tout simplement Smash Bros. Melee. C'est l'un de mes personnages favoris d'ailleurs. Parce que je n'aime jamais les mêmes à chaque fois. Par exemple, sur Smash Bros. Melee, c'était elle, c'était Chic, c'était Fox. Je ne sais plus. C'était Mimi aussi. Et victoire! Et voici le troisième membre de notre groupe, Chic. Le
l'eau de Jet. Bien sûr, on pouvait pas avoir les deux autres, ça aurait été trop simple. J'aurais pas eu 5 vies. J'augmente l'attaque, bien sûr, tous les deux cas, j'augmente l'attaque. On va essayer Chip. Pourquoi ça me t'amène Vous allez pas me dire j'en ai trouvé un. J'ai même pas regardé l'esprit, hein, je vous dis. Attendez. Ah, d'accord. D'accord. Ah, pas d'accord. J'étais en train de me dire, je vais juste prendre Chic et mettre mes esprits par rapport à lui, mais j'ai même pas parti. Bon, ben on n'a pas eu à chercher longtemps. Je pensais vraiment passer deux épisodes sans trouver un seul personnage, mais. Bon, bah, ben, à l'attaque. Attendez, je remets Chic. C'est vraiment, j'ai vu le personnage, j'ai juste vu Sonic derrière, j'ai pas vu que c'était métal. Du coup, je me suis dit que ça doit être un personnage rapide, je vais prendre le shoot. Mais en fait, j'ai pas vu que c'était métal. Bon, là, faudra faire attention. Comme j'ai vu toujours les combats de base. C'est pour ça que la moitié de sa vie, je l'ai fait perdre. Lorina, il s'appelle. Ça nous fait une nouvelle map. Je tiens à dire que la map est très très grande. C'est pour moi, je pensais même pas. Bon, ça nous fait du bien. Alors, on a la fin Mario. Du coup, vu que ça fonctionne un petit peu à la élémentaire, c'est-à-dire que attaque, défense et technique, ça a chacun ses avantages. Je les connais déjà. Je vais pas me lancer dans un défi, bien sûr, sans connaître le jeu avant. 1859. Oh, il devient trop puissant. C'est bon, je vais donner toute la nourriture, il a faim. C'est pas combattant, je vous. On va continuer. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Il est moins fort qu'Evoli. Il a pas mal. L'adversaire est équipé d'un pistolet laser. Faut vraiment frapper vite, hein, avec ce genre de fait. Clairement, je vais pas. Ferme. D'accord. C'est moi ou il est super puissant de tasser en tant qu'esprit?
au bout. Ils font quoi les deux autres? Résistance aux armes et attraction d'objets. Clairement, je les laisse pas réagir. Hein. Je sais que j'ai la chance de l'avoir main un bon moment. Et nous voilà à l'entrée de la forêt. D'accord, tu claques des doigts, t'es plus là. C'est très gentil à toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que... Ah. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo de présentation. Du coup, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais des vidéos, donc c'est assez compliqué. En tout cas, des vidéos un petit peu comme ça, en mode let's play, surtout que c'est un défi. Donc je fais très attention aux statistiques et autres. Et surtout aux personnages que j'utilise. Je vais essayer de varier pour que vous ayez un peu plus de visuel. C'est-à-dire que vous vous amusez bien, que vous ne voyez pas moi qui utilise tout le temps le même personnage ou les mêmes techniques. Mais clairement, vous allez en voir des vertes et des pas mûres. Là, je trouve qu'on est bien. Je trouve qu'on est bien. On a bien fait. Et d'ailleurs, je vois un petit personnage débloquable bientôt. Et je pense que... Vu qu'il est gardé par deux personnes, on risque pas de l'avoir d'aussi tôt. Du coup, autant ne pas continuer. J'espère que cette partie vous aura plu. N'hésitez pas à discuter en commentaire de ce qui vous a plu, de ce qui vous a pas plu, si vous avez des conseils, si vous avez déjà joué à Smash Bros avant et que vous connaissez bien, par exemple, la carte ou autre. Personnellement, je préfère ne pas savoir s'il y a des personnages soniques ou pas, pour avoir des grosses surprises comme Metazonic. Mais à part ça, si vous avez des conseils, par exemple sur comment gérer les esprits, etc., parce que moi je ne suis pas un professionnel dans la matière, surtout au niveau des esprits, donc si vous avez la moindre conseil ou quoi, je suis preneur. Donc je vous souhaite du coup à tous une très bonne journée et à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao ciao.